Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais voir le Gaulois et sa famille nomade. Donc, j'ai pas le camping-car. J'ai mis le 807 un peu en camping-car avec mon petit matelas qui va bien. Et puis, on va aller voir ça. Allez, bonne vidéo. Charles. Bon, alors je suis pas très loin du spot là, sauf que là c'est un peu la panique. J'ai plus de gasoil, j'ai déjà fait 37 km. Donc je vais aller en chercher, je pense à Moutier-les-Mauffets. Et puis on se rejoint tout à l'heure au spot. Eh ben c'est bon, je les ai trouvés. J'étais en train de faire le tour du lac et devant une maison, je vois le bus des Gaulois et sa famille nomade. Donc en fait, ils sont en train de se baigner là chez un de leurs abonnés. Et puis on va aller au spot après. Voilà. Bah, allez, je prends la caméra. Ouais, c'est vraiment le coup de bol. Bon, alors du coup, Bruno, là, il est en train de faire demi-tour. On voit le bus là-bas qui arrive. Et on va au spot. Allez, on se rejoint au spot tout à l'heure. Bon, bah dégoûté. Voilà. J'étais parti pour faire un petit peu de drone sur le lac pour vous montrer... c'est de vous montrer des belles images, quoi. Et bah, je me suis pris une branche. Voilà. Donc, Zachary le drone à la flotte. Donc, il est mort. Donc, bon. C'est comme ça, hein. C'est la vie. C'est arrivé à mon cousin l'autre jour. Pierrot et Nat, les Gracs. Et bon, bah voilà. Là, c'était mon tour. C'est comme ça, c'est la vie. Allez, ciao. Voilà. Dormi ici. Dans mon 807, pas de camping-car dans cette vidéo. Allez, on va aller voir le lac. Ouais, donc lac de Graon, grand, super. Hein. Vraiment, là, on est spoté à la Renardière. Je crois que c'est un truc comme ça, la Renardière. Et puis. Le lac, il est juste en bas, là. Je vous montre ça tout de suite. Là, on le voit, là, derrière, là-bas. On va aller faire un petit tour à cette plage. Sympathique comme tout. Il manque les montagnes derrière. On pourrait se croire dans les Pyrénées, dans les Alpes. Alors qu'en fait, on est dans la banlieue de La Roche-sur-Yon. C'est pas mal. Pas mal du tout. Puis le drone, bah, je l'ai planté là, juste derrière. Dégoûté. Bah, vous avez dû voir ça juste avant. Il y a juste le décollage et puis bam, une branche. Donc bon, bah, il est tombé à l'eau. Je l'ai récupéré. Hein. Je l'ai récupéré pour les mauvaises langues. Je suis pas un pollueur. Quoi. Je l'ai pas laissé dans le lac. Parce que j'ai eu un petit commentaire voilà, sur Facebook. Bah, sympa ce plan. Ah ouais, ils font du paddle là-bas. Super spot. Chemin de randonnée et tout. Non, super. Peut-être faire une ou deux interviews là parce qu'il y a des. Ouais, donc je disais peut-être faire une ou deux interviews là parce qu'il y a notamment Henri qui est là, qui est parti il y a 4-5 mois, je crois, du Nord. Et il fait. Il est à vélo. Il est à vélo avec. Avec son sac à dos et voilà, il a décidé de prendre l'air. Et super sympa. Bon, après, bah, les Gaulois, hein. Il y a les Gaulois qui sont là, évidemment. Là, j'ai sympathisé aussi avec Freddy, un nouvel abonné à la chaîne, qui habite juste à côté en plus. Super, super sympa. Voilà, bah, il n'y a que des gens cool en fait, hein. Donc c'est bien. Ouais, là, c'est pareil, il y a des jeunes là qu'on a vu hier soir. Composer leur tente, le petit camion et tout, non, c'est vraiment un chouette spot. Hein. Sympathique comme tout. Voilà, le fameux vélo qui fait le tour de France. Avec la petite chariote. Sympa. Voilà le bus. Obélix.
Ça va, Herman? On a bien rigolé hier soir, hein. La guitare et tout, t'as une super gratte, hein. Franchement, ouais, j'adore. Ouais. Puis super son. Ah ouais, alors toi t'es dans la mécanique là. Ouais. Les injecteurs, c'est ça je crois. Ouais, c'est ça. On rajoute des injecteurs. Bon, pourvu que ça se passe bien. Ouais. Ouais, donc dis-moi tout, Henri. Donc c'est toi qui fais le Tour de France à vélo. C'est parti, Tour de France, Tour d'Europe. Plus loin encore si on peut. Plus loin encore, ouais, tu vas aller jusqu'au Maroc. Maroc pour l'hiver si les frontières le permettent. Ah oui, à cause du Covid, ouais. Ouais, ouais. Même l'Espagne, tu vois, ça va être un peu tendu, je pense. Ouais. Mais t'es parti il y a combien de temps? Je m'en souviens plus. Il y a un peu plus d'un mois, le 24 juin, je suis parti de Lille. Ah, il y a un mois, d'accord. Ouais, ok. Lille-Brest et puis Brest jusqu'ici la Vendée. Brest-Vendée. Ouais. Pas trop mal aux pattes? Non, ça fait 5 jours que je suis en repos. En repos. En repos et puis en sociabilité. Sociabilité, on reprend des forces aussi avec tout ce qu'on mange ici. Bah ouais, parce que ça doit pas être évident tous les jours quand même d'être sur ton bike, sur ton vélo, tout seul. Tôt le matin et puis s'arrêter quand on est fatigué. Voilà. Puis manger des bons repas parce que c'est le carburant. C'est le carburant, bah ouais, tu m'étonnes. Bon bah sympa, mais merci, chouette rencontre. Il n'y a pas de soucis. Et puis bah bon courage. T'es abonné à la chaîne ou pas? Pas encore, mais... Pas encore, bah abonne-toi à Les Voyages d'Auguste. Hein. Yes. On s'abonne. Vous aussi. On est bien là, au lac de Grand, Graon, en Vendée. Là, le bus, il est là. Je suis garé derrière. Il y a du monde, c'est bien. Impeccable. Toi Bruno, tu t'éclates là sur le pan, nickel. Petit moment de méditation. Sabrina, ça va aussi toi? Ouais. Tu manges? Ouais, ça va. Tu te restaures? Allez, je coupe. Ouais, donc la prochaine, donc le 15 août peut-être. Bah avec plaisir. Voilà. Gros stuff. Et voilà. Et puis moi je ramène trace... ton... Ah, je ramène la contrebasse, ouais, bah pourquoi carrément, pas. Carrément, carrément. Bah je sais pas, il y a rien de sûr. 15 août, je sais pas. Comme tu peux. On verra, en tout cas on a passé une super soirée. Ouais, car j'ai un peu la tête dans le cul, moi je me réveille là. Ouais. Et ouais, bah, c'était bien sympa. Ouais, jusqu'à... En musique. Deux heures. Je sais pas à quelle heure je suis parti me coucher. Je crois qu'on est parti en même temps, il était 2h. Ah, ouais, 2h, ouais. Plein de musique, le chaudron, ouais. Le chaudron qui est là-bas. Des gens bien sympatoches. Voilà, sympathiques comme tout. Des bons musicos, quoi. Bon, bah, plus tard, hein. Salut. Allez, ciao.